Bonjour. Je vous attendais. Oui, je vous attendais car mon ami, lui aussi conifère, le cyprès chauve, m'avait prévenu de votre visite. Nous communiquons par nos racines. Le saviez-vous? Nos racines sont aussi grandes que nos branches et aussi nombreuses que les aiguilles de nos branches. Moi, je suis un Européen. Mais lui, le cyprès chauve, il vient d'Amérique du Nord. D'ailleurs, là-bas, dans le Nord, au Québec, on nous appelle, nous les épicéas, des épinettes de Norvège. Comme mes cônes sont retombants, on m'appelle aussi pin pleureur. Mais je ne pleure pas. On m'appelle aussi sapin blanc, ou sapin du Nord, ou gentil sapin. Mais je ne suis pas du tout un sapin. Car mes aiguilles n'ont qu'une seule pointe. Alors que les aiguilles des sapins en ont deux. Et je pique, moi. Pas le sapin. Je peux vivre jusqu'à 300 ans, si on ne me coupe pas avant, et si je n'attrape pas ces vilaines maladies qui aujourd'hui nous font dépérir par l'invasion de champignons ou d'insectes. Des millions, des milliards de mes congénères ont fini en boiseries de renfort, des puits et des galeries de mines, en traverses de chemin de fer, en poutres ou en charpentes, mais aussi aujourd'hui en granulés pour le chauffage, ou bien broyé pour faire de la pâte à papier. Je suis donc le meilleur ami en bois pour l'homme. En revanche, pour moi, l'homme est devenu l'animal le plus dangereux. Je préfère vous le dire avant que vous le ressentiez. Ici, je fais heureusement partie du paysage, et j'essaie de rester le plus haut, le plus droit, le plus beau que je peux. Non, je ne veux pas finir coupé par ces affreuses machines qui sont aussi cruelles et puantes qu'elles sont bruyantes. Et puis, bien vivant, nous les épicéas, nous rendons des services. Ma respiration est pure l'air. Ma résine donne plein de médicaments, y compris pour respirer mieux. Et on en fait aussi de l'essence de térébenthine. Les Celtes me considéraient comme l'arbre porteur de vie. Et la tradition a continué avec l'arbre de Noël. Un épicéa, pas un sapin. Si vous prenez un arbre de Noël, prenez un de mes jeunes frères. Avec toutes ses racines et toutes ses mottes de terre. Vous l'arroserez bien dans son grand pot avant de le replanter dans votre jardin. Noël est notre pire moment. Ne pourrait-on pas fêter Noël sans sacrifier des millions d'arbres? Bon, je vais finir par vous embêter. Allez voir mon ami le bouleau. En forêt, nous poussons souvent ensemble. Bonne visite, au revoir et bonne journée.